croustille. Oh non, je suis en train de me choper un bouton là. Putain, les chaleurs, c'est pas possible. Fais chier. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je râle déjà à cause des boutons. Et de cette chaleur. Ah, 31 degrés. Un 5 septembre. 31 degrés. Non, mais dans le nord de la France. C'est pas possible. Bon, bah, on est tous en sueur, n'est-ce pas? On est tous en transpi. Non, mais parce que je vois là, je vois apparaître sur BookTube et sur Instagram là, des gens qui font leur pâle d'automne. Les gars, il fait 31 degrés. Bah non, j'y suis pas. Non, bah pas encore, non. J'y étais au mois de juillet. Juillet, j'étais en automne, j'avais pas de sensé. Là, non, je suis en été encore. Merde, hein. C'est pas possible ça, hein. On peut faire un temps d'automne, évidemment, comme tout le monde, enfin bon. Du coup, je reste sur mes lectures d'été, et j'ai commencé dimanche, ceci. Secret défense d'aimer, le tome 1 de Axel Auclair. J'ai déjà bien mangé, parce que je l'ai commencé quoi dimanche, mais après-midi, si je me souviens bien. Presque même fin d'après-midi. Et j'ai lu, ça va ? Bon bah elle est en train de boire, je sais pas si vous entendez ou pas, mais il y a une petite bille forcément qui va aller. Non mais je suis énervée aujourd'hui. J'ai lu je pense, oui la moitié environ dimanche. Hier bon j'ai lu que 50 pages parce que bah Adrien était là donc on a regardé, on a continué à regarder Breaking Bad. Il nous reste encore un épisode je crois de la saison 3, après on passe à la 4. Du coup j'ai lu qu'un tout petit peu au soir dans le lit, mais j'ai quand même lu 50 pages, et je vais essayer de le finir aujourd'hui, alors je ne garantis rien, hein, je me suis pas prévu de crocher, rien du tout. Il est déjà 18h quand même, 18h30, je le finirai pas aujourd'hui, je pense pas, je suis fatiguée, tout ça, j'ai les yeux qui piquent, et surtout je dois me coucher tôt parce que demain je commence à 7h, donc on se lève à 7h40 environ, mais je pense que je vais assez vite le dégommer. Donc j'aime bien, et j'aime bien pourquoi, vous savez, je suis pas très new romance, tout ça, même si de temps en temps, il y en a certaines que j'aime bien, comme... le dernier que j'ai lu, Campus Driver, le tome 1, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien, bah ouais, tout ce qui se passe un peu à l'université. J'aime bien, genre Brian University, tout ça, tout ça. Et là, j'aime bien parce qu'en fait, ça se passe totalement dans autre chose que ce que j'ai personnellement l'habitude de voir. Donc là, on est dans le milieu militaire et en plus, ça se passe en France, puisque l'autre est française, évidemment. Et du coup, j'aime bien, vraiment, je... J'aime bien, et le truc que j'aime bien aussi, j'ai dit beaucoup j'aime bien, c'est que du coup on est avec Sabine, qui est donc militaire, elle est, comment on dit alors là elle était déshydratée la meuf, ça fait 2 minutes qu'elle boit. Je sais plus, nana de logis, bah vous savez moi l'armée je connais absolument rien, hein. Enfin pas grand chose en tout cas. Oh il y a une mouche, non mais putain c'est pas... j'aurais pas dû filmer, je suis pas en état. Une crise de nerfs en direct, je vous jure. Il fait chaud, là il se passe plein de trucs dans la vie que ça va pas et ça me saoule. Au boulot on me fait des trucs, ça me saoule. Et là il y a des mouches maintenant. Il y a des mouches ici, ça me saoule. Et il fait 31 degrés, je suis saoulée. Vraiment. Moi la chaleur ça me réussit pas. Vivement la Bretagne. Oh, je dis pas qu'il fait pas beau en Bretagne, c'est au contraire il fait très beau en Bretagne aussi, mais j'ai besoin, tu vois, s'il fait chaud comme ça d'aller à la mer. Je vais te défoncer, j'ai toujours pas acheté de raquette. Oh. Excusez-moi, je suis désolée. Là, vous avez ce qui sort, c'est dans ma tête, c'est ce qui se passe actuellement. Vraiment, en ce moment-là, c'est la guerre dans mon cerveau. Donc, elle est, on va dire, encore nouvelle dans l'armée. Ça fait à peu près 5 ans qu'elle y travaille. Avant, elle était plus dans les régiments. Et là, elle va être amenée... Attends, il y a un scooter de merde. On peut plus. Et là, elle boit, elle continue. Et donc en fait elle va, elle avait demandé une mutation tout simplement dans le sud de la France, elle se retrouve à Paris. Donc elle travaille vraiment dans le ministère de la Défense, pardon, excusez-moi, hein, j'ai plus les mots. Donc pas du tout ce qu'elle voulait, tout ça, puis elle va se retrouver vraiment amenée à travailler avec une section un peu mystérieuse mais quand même un peu mythique, tu vois. Où elle va rencontrer voilà, des personnages
alors on va dire haut en couleur tout en ne l'étant pas, mais très particulier. Et en même temps, ce qui est bien, ce que j'aime bien, c'est qu'on suit également le personnage masculin, donc là qui est Condor, qui est un de ces personnages un peu particuliers, hein, voilà, un des mythes de l'armée. Des personnages qui sont en fait tout simplement tout le temps cagoulés, tout le temps armés, parce que ben, c'est des gars hyper spéciaux, tu vois, qui font des missions, enfin voilà, vraiment des grosses missions, tout ça, c'est les number one de l'armée, quoi, les gars, vraiment. Et donc elle va travailler avec eux, plutôt pour eux, sauf que Condor, il commence à râler béguin pour elle. Mais comment vous dire que le gars, il vit armé. Il vit armé, il vit mission. Aucun relationnel avec les gens, il sait pas. L'amour, Kezako, il sait pas. Il sait même pas ce qu'il ressent. Dans sa tête, c'est what the fuck, il comprend pas. Et du coup, ça donne des situations très cocasses qui, je pense, dans la vraie vie, on pourrait appeler ça du harcèlement sexuel, hein, ce qu'il fait par. Enfin, voilà. Mais voilà, comme c'est dans un livre, j'essaie de retranscrire le truc en mode. Il est un peu bébête, tout en étant très intelligent, mais là-dessus, socialement, il est un peu bébête, c'est pas grave. On va lui pardonner. Et du coup, ça rend le truc plutôt cocasse et très drôle. Voilà, sauf que bon, bah, Sabine, elle réagit en mode on va être gentil, tu vois, quand même, c'est un peu mon chef, aninana. Mais du coup, ça donne des petites situations comme ça. Et c'est drôle, mais c'est quand même bien fait. Je vous dis, t'as pas le côté harcèlement non plus, quoi, tu vois. Parce que t'es avec lui dans sa tête et tu vois que il le fait pas exprès, il sait pas comment faire, comment agir avec les autres, comment montrer qu'il est attiré par quelqu'un, tout ça. Donc c'est très très drôle. Donc j'aime bien et ça se lit vraiment tout seul. On sent que c'est. Y a pas de traduction ou quoi. C'est vraiment du français pur. C'est super, c'est pour ça que j'aime bien quand même lire des bouquins d'auteurs et d'autrices français, parce que bah, t'as pas le souci de la traduction ou du truc comme ça, t'as vraiment ce que l'auteur veut transmettre. Et du coup, bah, c'est très très bon, pour le moment j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il me reste 200 pages à lire, donc je vais essayer de voir si je peux finir ça ce soir ou pas, on verra. Et sinon, dimanche, ou hier, je sais plus, non c'est hier, j'ai fini mon premier prototype, on va dire. De. Comment on a appelé ça? Géraldine m'a dit une couverture de mug? Ah, ça y est, je ne sais plus. J'ai fait un petit champignon. Enfin, un gros champignon. It's a big champipi. Pas mal, hein? C'est mignon! Je me dis, est-ce que je mets juste un champignon ou est-ce que je rajoute d'autres petits trucs à côté, genre des plus petits champignons? Je ne sais pas trop. Faut que je vois ce que je peux réussir à faire au crochet. Hein, voilà. Sinon, je vais mettre d'autres petites décos en feutrine ou quoi, essayer de voir ce que je peux trouver. Ou peut-être acheter moi-même de la feutrine. Mais bon, avoir un déménagement, commencer à acheter plein de petits trucs de matériel comme ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc je vais. Alors, je sais pas si je vais continuer à proposer ça sur Vinted. Comme je vous dis, j'ai un petit peu peur que Vinted me ferme mon compte. Sachant que Adrien a eu aussi un souci. Il vendait une petite figurine de Itachi Uchiwa qu'il a eu, enfin qu'il a acheté voilà, il y a un an peut-être, mais comme on déménage, bon bah il dit c'est tout, je vais la revendre, tout ça c'est pas grave. Et il a voulu la mettre sur Vinted 3 fois, elle lui a été refusée. Juste une figurine. Et tu sais pas pourquoi, avant tu savais à peu près pourquoi, genre tu sais, genre faut pas avoir des trucs que tu fais toi-même, des choses comme ça, avant c'est ce qu'on me disait. Sauf qu'après quand j'ai commencé, ça me disait plus ça et ça fonctionnait, et là maintenant ça refonctionne plus donc j'ai un peu peur. Donc là pour le moment, comme je vous dis, je fais peut-être des petites réserves, c'est pas grave, je vais faire des trucs comme ça, et quand j'aurai créé mon site, je vendrai tout. Voilà. Je sais pas si ça vous plaît, dites-moi. J'ai fait aussi juste le marron comme ça, un peu plus automnal, mais du coup, je trouve que là, le champignon, le rouge et le marron comme ça, un peu rouille légèrement, je trouve ça va pas trop ensemble. Je suis pas fan, du coup, il faut que je vois ce que je pourrais faire d'autre. À faire un petit renard ou quoi, je ne me sens pas apte encore vraiment à faire ça. Je suis pas sûre en tout cas d'avoir la bonne taille, de réussir à trouver, je sais pas comment faire. Donc voilà, j'ai fait des petits trucs là pour le moment. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je suis désolée du spectacle que je viens de vous donner. Mais JPP, hein, là vraiment, j'en peux plus. Je vais aller lire, ça va me faire du bien. On se retrouve, nous sommes jeudi et je suis toujours en train de fondre comme vous d'ailleurs, je pense, hein, n'est-ce pas? Quelle idée. Du coup, je viens de finir ceci. Enfin. Ça a été. Comment dire? En fait, juste les quoi, les 100 dernières pages qui m'ont resté. Bon, les 150 dernières pages qui m'ont resté. Ça a été un peu long parce que j'ai eu une fatigue avec la chaleur, tout ça aussi, hein, qui m'est tombée dessus. C'est-à-dire que dès 19h30, les yeux qui piquent, je lisais, mais je forçais. Vraiment hyper compliqué.
Donc j'ai lu vraiment 50 pages par 50 pages. Et encore, hier, j'ai lu 25 pages parce que ma mère est venue me ramener des cartons pour le déménagement. Et du coup, ils sont restés un petit peu, tout ça. Elle est partie vers... peut-être vers 19h, un petit peu 19h, 19h30. Donc j'ai lu vraiment 25 pages. Je me suis dit, on arrête là. À 21h, vraiment, parce que... J'ai même pas mangé, mais juste pour les 25 pages, j'ai bientôt mis 2 heures pour me dire. Bon, j'ai fait d'autres trucs, non, j'étais me laver tout ça, douce entre deux, hein, voilà, puis je ferai pas mes affaires pour le lendemain, mais. Mais c'était très long. Et alors, du coup, je sais pas si c'est à cause de cette coupure que j'ai faite où j'ai lu vraiment plus de la moitié du bouquin, presque en une journée, hyper rapidement, et que ensuite j'ai arrêté, enfin, j'ai arrêté, j'ai mis beaucoup plus de temps à lire, mais la partie qui m'est restée, du coup, les 150-200 dernières pages. C'est vraiment la partie que j'ai le moins aimée sur le bouquin. C'est dommage parce que franchement, il pouvait être hyper prometteur. Il y avait un peu tout ce qu'il fallait, je vous le disais. C'était drôle, c'était une situation plutôt nouvelle pour moi. Puis les personnages étaient plutôt sympas, tout ça. C'était bien amené, enfin voilà, j'aimais bien. Mais en fait, à un moment, quelque chose se passe. Un peu, on va dire, ce qu'on attend tout le long du bouquin. Mais par la suite, tout ce qui se passe, ça m'a un peu... j'ai levé plusieurs fois les yeux au ciel, tout ça. Je disais Condor est assez spécial. Et en fait, j'aime pas son comportement, tout simplement. J'ai l'impression que vraiment, il essaie de dicter totalement la vie de Sabine. Alors, elle étant très conciliante, voilà, elle arrondit tout le temps les angles, tout ça. On a l'impression que parce qu'elle, elle nous parle vraiment à nous. Elle arrondit tout le temps les angles. En mode, ouais, on dirait qu'il me donne des ordres, mais c'est pas ça, lui, c'est son comportement, sa façon d'être, nanana. Mais en fait, juste. Moi, enfin, par rapport à mon caractère, moi je pouvais pas accepter ça que quelqu'un me dise genre, bah t'as fait des amis? Bah non. Bah quoi? Alors évidemment, elle après, elle arrive voilà à faire son truc, mais toujours ce truc de premièrement, il essaie de lui donner un ordre, ça va être le nom, ça va être les trucs comme ça. Du coup, j'ai pas trop aimé son comportement. Enfin, moi, il m'a pas fait rêver. Et du coup aussi, le gros point noir du coup de ces 200 dernières pages, c'est que mon Dieu, il n'y a aucun romantisme, vraiment. Les relations, je vous l'ai dit, humaines, c'est tout nouveau pour Condor, et amoureuse, mon Dieu, encore pire. Donc on peut comprendre qu'ils sont un peu... un novice là-dedans, et du coup un peu potache, et un peu en mode, vraiment, il sait pas où il fout les pieds, quoi. Donc il y a des situations vraiment rocambolesques. Et où, bah, du coup, comme je vous dis, il sait pas parler aux gens, et enfin, voilà, dans notre société, ça passe pas, quoi. Avec moi, en tout cas, ça passerait pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ça y est, j'ai perdu le fil. Je me souviens, du coup on parlait du romantisme, et du coup en fait son comportement fait que je le trouve hyper brut de décoffrage et pas du tout romantique avec Sabine, mais vraiment même dans la gestuelle. C'est il apprend, il la retourne, c'est vraiment c'est tout plein de trucs comme ça qui moi me font dire que moi je verrais ça comme une agression, vous voyez. Donc faut, on va dire, quand tu lis ça, faut mettre de l'eau dans ton vin, hein, parce que sinon... t'es vite révolté par son comportement, faut à chaque fois se dire, oui bah en fait comme Sabine, oui, faut pas oublier, qui connaît pas, qui s'est... Mais t'as envie de dire en même temps, il a 29 ans, c'est pas un gamin. Donc c'est quand même compliqué, je veux dire, ok, il a peut-être connu l'armée là, depuis, je sais pas, ça fait peut-être plus de 15 ans qu'il connaît l'armée, ok, mais quand même, avant t'as été humain, t'as eu des choses, tout ça. Parce que, en fait c'est ça aussi le souci, c'est qu'on nous dit à la fin à suivre, parce que ça finit sur quelque chose, tu dis... Oui, on aurait pu en apprendre plus, enfin voilà, aller un peu plus loin. Je sais pas du tout si le tome 2 c'est encore avec eux, si c'est avec d'autres personnages, mais on côtoie encore, je pense qu'on est encore totalement autour de nos personnages, je pense que c'est plus ça, et donc on en apprendra plus par ce biais des autres tomes. Mais lui, c'est pas creusé, on sait pas ce qu'il faisait avant, tu sais toujours rien en fait de lui. Et il se passe des trucs là-dedans où Sabine dit oui, tout ça, mais pareil en fait, elle accepte d'être avec lui, mais elle sait rien de lui, donc il n'y a pas le côté romantique. Enfin, pourquoi tu dis oui? Pourquoi tu veux sortir avec lui? Ça, j'ai pas compris, en fait. Je pensais que ça aurait été mieux amené. C'est pour ça, tout le long du bouquin, j'ai bien aimé, parce que je trouvais ça rigolo, nanana. Mais je pensais que les choses allaient être mieux amenées, et si ça avait été mieux amené, à côté un peu plus romantique, ça aurait été mieux, en fait. Mais en fait, concrètement, j'ai bien aimé, mais les 100 dernières pages sont pour moi un point noir à ma lecture, et il faut que, bah, du coup, je vais pas m'en souvenir non plus avec... un excellent souvenir de ce bouquin. Du coup là pour moi franchement je sais pas du tout si je lirai la suite, mais c'était quand même bien. Enfin, c'est assez étrange, en fait si t'enlèves vraiment les 100 dernières pages, c'était une super bonne lecture, et ces 100 dernières pages moi je trouve m'ont gâché un peu mon plaisir de lecture qui était très drôle et bien amené et nouvelle. Donc voilà, je sais pas si certains ou certaines d'entre vous plutôt
l'ont déjà lu ou l'ont lu ou ont lu toute la série, dites-moi un peu comment ça se passe par la suite si vous l'avez lu, ou ce que vous en avez un petit peu pensé, vous êtes un peu dans le même état que moi ou pas, si vous pensez un peu la même chose ou pas. Enfin voilà, mais c'est quand même une belle découverte, voilà, mais en même temps, comme je vous dis, tout ne me plaît pas. Bon, c'est un peu normal aussi, je peux pas être à 100% en mode ah bon, quoique des fois si on est à 100%, c'est trop bien. Mais là, bon bah non, ce sera pas à 100%. On est à 70%, c'est déjà ça, parce que vous savez que moi, la New Romance, c'est pas non plus mon péché mignon, c'est pas mon truc. Donc 70%, pour moi, c'est déjà bien. Sinon, autre nouvelle, non, parce qu'il n'y en a pas d'autres que je vous ai parlé dans le... dans ce vlog. Ce vlog, je pense, du coup, sortira pas dimanche matin, comme d'habitude, puisque, écoutez, hier, j'ai eu une très bonne surprise, une excellente surprise, que m'a annoncé ma collègue, donc mon binôme. Écoutez, je vais au concert samedi, là, donc demain pour moi, samedi soir, plutôt vendredi soir, demain pour moi, je vais au concert d'Imagine Dragons à Chambord. Je l'ai appris hier! C'est pas fou, ça? Eh ben si! En fait, ma collègue, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris des places directement quand ça s'est vendu au mois de novembre, je crois, octobre-novembre, ça s'est vendu l'année dernière. Moi, comme une grosse potiche, je savais pas si je voulais aller à Paris ou à Chambord, j'ai eu que une après-midi pour décider parce que c'était notre CE qui prenait les places, naninanana. Et il fallait que ce soit validé une semaine avant la vraie sortie des places, tout ça. Ma collègue, elle s'est pris 4 places, si je me trompe pas, pour Chambord. Et elle s'est dit, ouais, en plus, à vendredi, c'est bien, je me ferai un week-end là-bas, tout ça, super. Donc elle y allait avec son compagnon, sa mère et son frère. Et donc ils prenaient le reste de la famille pour faire un week-end là-bas. Et finalement, le frère ne va pas au concert. Il va avec eux, mais il va pas au concert. Et donc elle s'est dit, meuf, toi qui n'as pas réussi à avoir des places à Paris, bah Chambord c'était mort aussi, bah je te la vends en fait. Et j'étais là en mode, bah oui meuf, bah oui tu vas me la vendre. Et donc elle me l'a vendue, super. En plus elles sont pas trop chères, 78€ la place, nickel. Donc Chambord ça va être plus comme un, on est du coup dans les jardins du château, ça va être plus comme un festival que vraiment comme un concert, même s'ils font, voilà, la même durée qu'un concert exclusif, tout ça. On a une sorte de première partie, on a Imagine Dragons, encore un autre groupe après je crois, et après un DJ si je me trompe pas, donc ça dure jusqu'à 2h du mat à peu près. Donc c'est une scène en plein air, et t'as des stands, t'as des trucs comme ça, enfin voilà, ça peut un peu penser au Main Square. Et du coup, bah on s'est dit ouais, vas-y, super, donc voilà, j'ai donné l'argent, j'ai eu ma place aujourd'hui. Et sauf que hier, du coup, bah vous pensez bien que le Chambord, c'est pas la place à côté par ici, hein, j'ai un peu plus de 4 heures de route, on va dire, il faut passer par Paris, la régalade, vous vous doutez bien, un vendredi, et du coup, et ben, trouver un logement. Vous doutez bien que tout ce qui a 20 minutes, moins de 20 minutes autour, c'est mort. Déjà, ma collègue, elle avait pris du coup un logement à partir de novembre, elle l'avait cherché, elle avait trouvé un truc, c'était bon. Elle est à 22 minutes environ, je sais plus quelle ville exactement. Voilà, elle dit qu'elle a trouvé un bon petit truc, parce qu'après eux ils vont visiter tout le week-end des châteaux, des trucs comme ça, ils vont essayer de voir un petit peu la région. Et voilà, on regarde les trucs et j'étais là, putain, y'a rien à moins de 50 minutes en fait. C'est-à-dire que le concert va peut-être finir vers 23h30, minuit, parce qu'il commence à 21h30, l'Imagine Dragons, alors que d'habitude ça commence plutôt vers 21h, on va dire, un concert. Enfin, la deuxième partie, donc ton concert que tu vas avoir vraiment commence plutôt à 21h. Puisque la première commence à 20h, et ça se finit vers 23h, tu vois, des fois, si ça rallonge, 23h30. Donc là, je me dis, on en a au moins jusqu'à minuit, minuit et demi. Sortir de là. Alors, tout le monde ne sortira pas, mais on est au moins 30 000 personnes, elle me disait, puisqu'il y en a qui vont rester pour la fin de soirée jusqu'à 2h du mat', je pense. Moi, le DJ, tout ça, ça m'intéresse pas, donc je vais partir, tout ça. Et donc en fait je me suis dit, mais en fait je vais rentrer à 2h du mat avec 50 minutes, le temps de sortir de là, le parking, de retrouver ta voiture, 30 000 personnes, t'imagines les parkings déjà. Moi c'est ce que j'ai peur de perdre ma voiture, de plus savoir où je suis, un truc de malade. Enfin bon, faudra que je prenne un stylo, que je le note sur moi, j'ai mon téléphone, je le noterai sur mon téléphone, elle est teubée. Donc voilà, essayer de, voilà. Donc tu te dis, franchement je rentre à 2h du mat, plus 50 minutes de route. Donc hier je trouve un Airbnb, bon, à une cinquantaine de minutes du coup à Vendôme. Comme je suis idiote, on te demande de mettre un petit message, pourquoi tu te déplaces, nana. Je dis que je vais à un concert à Chambord et que du coup, bah, je passe par, enfin, toi, je passe par Vendôme, tout ça. Ah, l'appartement n'est plus disponible, nana. Mon Airbnb, c'est illico presto, quoi. C'est tu loues, c'est fait, quoi. Il y a plus de disponibilité. Et ensuite, du coup, j'ai quand même été revérifier
ils ont enlevé, alors peut-être qu'ils l'ont enlevé que pour moi, qui c'est visible, je sais pas, j'ai pas été voir avec le compte d'Adrien si c'est encore visible ou pas. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais chercher autre chose. Je trouve quelque chose à Blois, pareil, un petit appartement avec balcon et même la clim, tout ça. Je me dis, putain, il va faire 35 degrés, ça va être tip top la clim, même si bon, c'est pas très bon pour le climat, mais pour que je dorme un minimum, c'est pas mal. Je valide, là c'était sur Booking. Et du coup, là on était plus à. T'as une vingtaine de minutes, du coup, Chambord, Blois. Je me suis dit, putain, c'est vachement mieux. Je valide tout ça, et genre une demi-heure après. Je reçois un mail. Booking n'a pas fait la. Là, j'ai pas dit pourquoi j'y allais. Hein. Booking, t'as pas besoin de dire, tu valides, tu fais, c'est tout. En fait, Booking n'a pas fait, on va dire, la relation entre les dates et ce qui était vraiment réservé. Donc, la personne avait déjà réservé pour quelqu'un d'autre cet appartement et donc il était plus disponible. Mais il était encore sur Booking. J'étais putain de merde, vraiment. Donc, là, désespéré. Bon, ma mère était là, tout ça, donc j'ai pas continué à chercher. C'est pas grave. Pas grave, je sais pas, au pire c'est tout, tu vois, j'achète pas la place, et puis il s'est trouvé quelqu'un d'autre en vitesse, qui peut, tu vois, qui le prend, ou au pire vraiment le frère il y va, et puis c'est tout, quoi, tu vois, et vraiment désespéré, donc bah ma mère vient, voilà, après du coup c'est pour ça que j'ai pas lu tout de suite, j'ai lu que 25 pages, parce que j'ai commencé du coup à rechercher autre chose, finalement j'ai réussi à trouver une auberge, donc c'est comme un hôtel, hein, donc une chambre. C'est un peu plus cher parce qu'il y a le petit déjeuner, mais du coup c'est équivalent, le petit déjeuner est à 9€ et quelques. Donc j'en ai pour 80€ la nuit. Mais sur Booking, c'était pas noté si tu pouvais, on va dire, rentrer ensuite à n'importe quelle heure dans l'auberge. Notez que tu peux arriver de 17h à 21h pour ton arrivée, ton enregistrement, tout ça, ton checking. Mais après, il n'y avait pas à noter d'horaire de les portes sont fermées ou pas, tu vois. Et moi j'étais là en mode, attends, ok, je vais prendre ma réservation. Mais si je peux pas rentrer, en fait, comment ça se passe si les portes sont fermées à partir d'une certaine heure, comment ça se passe? Du coup, j'envoie en même temps, tu peux mettre un message, j'envoie un message disant que j'arriverai sûrement vers 17h ce jour-là, mais que j'ai un événement dans la soirée, donc je vais sûrement rentrer tard. Est-ce qu'il y a un veilleur ou est-ce que les portes sont tout le temps ouvertes? Comment ça se passe? Et en fait, genre une demi-heure après, j'ai une réponse, je pense, automatique, me disant juste la taxe de séjour est à payer lors de votre départ. Du coup, je renvoie un message, très bien, mais. Qu'en est-il du coup pour les arrivées tardives, pour retourner Pas de réponse du tout. Finalement, j'ai la bonne idée de ne pas aller sur Booking, mais d'aller directement sur le site de réservation de l'auberge. Et là, c'est noté 24h sur 24. Je me dis ouf, parce que sinon j'annulais en fait, ça servait à rien de prendre un truc et puis tu sais, de pouvoir rentrer et de payer 80€ pour que tu hein, n'est-ce pas? Du coup, je me dis putain, ouf en fait, je peux rentrer. Parce qu'ils ont pas répondu de toute façon sur Booking, donc je me dis super, là, je pense que. Je sais pas si Booking transmet mal les messages, s'il y a un truc, je sais pas, ou si juste ils étaient débordés, ou si juste la relation client va être nulle, même si tous les avis sont vraiment excellents, elle est notée, je crois qu'ils sont à 7 et quelques, je crois sur, même pas, 8 et quelques sur 10, je crois que c'est sur 10 sur Booking, la note vraiment est bonne en fait, et ils notent l'accueil chaleureux, tout ça, donc bon je pense que c'est juste des gens qui gèrent pas vraiment le côté internet, ou qui ont peut-être du mal, je sais pas. Donc voilà, j'ai quand même une chambre, et ce matin, j'arrive au boulot, enfin j'arrive plutôt après avoir fini mes crosses, je monte, j'en parle à ma collègue, j'ai dit putain meuf, tu vois, j'ai galéré hier soir, j'ai cru vraiment que j'allais pas pouvoir t'acheter ta place, bon, j'allais pas y aller en fait, ou alors dormir dans ma voiture, mais j'avais pas envie, tu sais, c'est que des forêts là-bas, et je me serais fait, je pense, déloger par les flics, puis j'aurais pas envie de toute façon, parce que c'est une collègue qui m'avait soumis l'idée de dormir dans ma bagnole, hein. T'es folle en fait, t'es... Je suis une femme toute seule dormir dans sa voiture, bah bien sûr, y a pas de souci. Encore dans un van, je dis pas, je n'ai pas de van. Là encore, tu vois, ma mère, elle aurait pas dû revendre son van parce que ça aurait été super. Et mes grands-parents ont un camping-car, mais je pense qu'ils n'auraient jamais voulu me le prêter toute seule pour que j'aille là-bas. C'est dommage, enfin bon. Et donc là, cette auberge, elle est à une demi-heure. On fait un compromis entre le 20 minutes et les 50 minutes, voilà. Donc je suis à une demi-heure, donc ça va. Et la route, je pense, ça va être un côté qui va être un petit peu moins fréquenté que l'autre, parce que c'est à l'opposé de Blois, donc ça devrait aller. J'ai demandé qu'il y ait absolument quoi. Donc voilà les news, donc j'ai annoncé ça hier après-midi à Adrien, il était en mode, tu m'abandonnes? Comme ça en fait, là tu... Ça va, c'est qu'une soirée, je voulais à tout prix voir Imagine Dragons, je ne sais pas quand est-ce qu'ils reviendront. À chaque fois je loupe les dates, j'arrive plus à prendre des places de concert, c'est une guerre monumentale, c'est de pire en pire sur Ticketmaster, je sais pas ce qui se passe. T'as l'impression qu'en fait la moitié de la France, à chaque fois qu'il veut acheter des places de concert. Je fais donc écoute, ouais j'ai l'opportunité d'y aller, ouais j'y vais, parce qu'il peut pas venir, il travaille. Sinon je pense qu'il serait venu avec moi et on serait reparti un peu tôt le samedi, parce que lui il travaillait le samedi tu vois. Mais bon bah c'est tout, il travaille. Donc voilà, il essaie un peu, je pense, de me faire culpabiliser, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, je pense.
Mais en plus, mais ça me tue parce que ma mère elle est choquée que j'y aille toute seule, mais ma mère est choquée de tout presque. Bon, voilà. Dès que tu fais un truc qui sort un peu de l'ordinaire, elle va, mais tu fais ça toute seule, mais tu vas faire, mais tu vas y arriver. Oui, oui, je vais y arriver, oui, je vais le faire. C'est acté, de toute façon, vous pouvez rien faire, il n'y a rien à faire. Je le fais. Je suis pas lionne pour rien dans ces cas-là. Et pareil, mes collègues, c'est là, oh, j'ai une collègue qui fait. Mais t'y vas toute seule. Oh, oh, moi je pourrais pas faire ça, tout ça. Ouais, mais moi je suis moi, toi t'es toi, t'as vu. Non, mais vraiment, en fait, c'est ce que je leur dis. Je fais, avec le boulot d'Adrien, si je veux faire des choses que je veux faire, bah, je dois les faire toute seule, en fait. C'est pas un côté égoïste ou quoi. Mais du coup, si quand même je prends le... Je me rends égoïste pour, de temps en temps, avoir des petits moments de bonheur, écoutez, dans ma vie, qui n'est pas non plus joie tous les jours, hein, comme tout le monde, je le pense bien. Donc, oui. Oui, si j'ai envie de voir un concert que j'ai envie de voir depuis des années, si j'ai envie de voir des artistes que j'adore, bah ouais, je vais faire plus de 4 heures de route et je vais dormir toute seule dans une chambre d'auberge et je vais aller toute seule à un concert. C'est ça aussi, les gens sont hyper choqués quand on dit je vais toute seule à un concert. Je trouve ça rigolo. Parce que, enfin, ok, c'est vrai qu'en fait, c'est ce que je disais, oui, le moment d'attente, c'est un peu long, tout ça, tu t'emmerdes un petit peu, on va pas se mentir, hein, t'es tout seul, tu vois les gens à côté qui parlent entre eux, qui se font des photos, tout ça, nanana. Après, c'est comme on se dit, avec ma collègue, si on arrive à se retrouver, on se retrouve, mais comme elle dit, il y a quand même 30 000 personnes, ça va être compliqué, en mode, youhou, oui, bah, enfin bon, on est sur combien d'hectares, la meuf. Donc, on va voir, mais on n'est pas sûr non plus de se retrouver. Mais une fois que le concert est commencé, en fait, tu t'en fous, t'es dans l'ambiance, tout ça. En plus, ça va être en mode un peu festival, donc ça va être cool, je pense. Vraiment, c'est moins en mode salle de concert. Donc, tu vois, en attendant, je peux toujours aller marcher, regarder. Enfin, c'est le château de Chambord, il y a des choses à regarder quand même. Ça va être beau, donc je pense que je vais aller me promener le temps que le concert commence, quoi, tout simplement. Après, je suis pas non plus. Je pense que sur un festival comme ça, je pourrais pas être comme dans une salle. Tu sais que je suis dans la fosse, t'essayes de te faufiler, tout ça. Et de toute façon, plus tu essayes de te faufiler, des fois, moins finalement t'es bien placé. J'ai eu le cas avec le concert d'Harry Styles, malheureusement, que je n'ai pas eu l'impression de l'avoir en concert. Et donc, je pense que ça va être, tu sais, un peu slow. Je vais prendre mon temps, je vais profiter, tout ça. Alors, je vais essayer de vous filmer, mais ça va être avec mon téléphone parce qu'on n'a pas le droit aux caméras. Il y a beaucoup de restrictions, hein, vraiment. On n'a pas le droit à beaucoup de nourriture. Les bouteilles d'eau, c'est vraiment les toutes petites, moins de 33, moins de 33 ml. Oui. Oui. Oui, centilitres, pourquoi j'ai aimé le centilitre. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Heureusement, y a pas, normalement, t'as pas de droit aux cigarettes, donc c'est top, ça c'est bien, c'est trop bien ça. Parce qu'au Stade de France, il y en a qui fumaient, bon, on va voir ce que ça va donner. Il y en a toujours qui arrivent à toujours passer des clopes, des choses comme ça, mais enfin bon. Enfin, il y a plein de petites restrictions, donc je pense que du coup, ça va garder un endroit propre. J'espère qu'on aura des gens un peu, tu vois, civilisés, éduqués, tout ça, tout ça. Moi j'ai un peu peur, c'est pour les toilettes, parce que. Bah, comme il va faire très très chaud, je vais pas mal boire. Apparemment, il y a des stands, tout ça, et de toute façon, je pense qu'il faut quand même distribuer de l'eau vu le temps qu'on va avoir. Donc, j'ai peur d'avoir beaucoup envie de faire pipi et que les toilettes soient genre un peu dégueulasses. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais écoutez, tout de dernière minute, mais je suis contente. J'ai un peu peur, on va dire, parce que j'ai peur que tout se goupille pas forcément extrêmement bien, ou que. C'est ce que me disait ma collègue l'année dernière, c'était Sting au château de Chambord, et les gens ont été bloqués pendant 3 heures en arrivant en voiture, parce qu'apparemment, quand tu arrives. Pour arriver à Chambord, tu n'as qu'une seule route. Donc là, apparemment, ils se sont un peu mieux organisés, de ce que j'ai compris. Et je peux pas y aller en train non plus, enfin, pour ceux qui voudront le dire en commentaire. Je peux pas y aller en train parce que tu pouvais faire, du coup, je pense peut-être Arras-Blois, ou Paris, ou Lille-Blois, je sais pas. Mais en fait, une fois arrivé à Blois, ils avaient prévu des navettes pour Chambord, sauf que, comme je vous le dis, les places ont été vendues à partir de novembre, donc plus de places dans les navettes. Parce que c'était ce que je me suis dit au début. Prends le train, la navette, je trouve un logement à Blois. Bon, finalement, hein, j'aurais pas trouvé, donc bon, ça aurait pas forcément été bien. Et tu vois, c'était tout, quoi. Je prenais pas la voiture et j'étais bien tranquille pour traverser Paris, tout ça, peut-être en 2 heures, c'était fait, quoi. Donc c'est vrai. Franchement, ça aurait été super, j'aurais été contente. Mais bon, c'est comme ça. Après, j'aurais pu également louer une voiture, par exemple, mais. Je sais pas combien ça coûte, tout ça. Je sais même pas les billets de train, j'ai regardé pour le train, donc peut-être ça aurait vu. Des fois ça revient peut-être même des fois plus cher le train, c'est hallucinant malheureusement. Enfin bon. Donc voilà, petit événement. Donc voilà pourquoi ce vlog sortira, je pense peut-être dimanche soir ou lundi matin, je sais pas du tout. Et en plus, lundi matin, on a l'audit, donc je commence à 6h du mat. Ça va être beau. Ça va être beau, sachant que bah vendredi je vais peut-être arriver. Pas tard, je sais pas, j'aurais aimé profiter un peu de la journée, mais bah, je sais pas, il va faire 37 degrés, donc j'ai un peu peur. J'aurais aimé au moins faire le château de Chambord ou faire des jardins, des trucs comme ça, pour dire de profiter, de pas y aller pour faire un aller-retour pour un concert quand même. 4h30 de route pour un concert, ça va. Du coup, presque 9h de route, quoi.
Du coup, je pense que je vais arriver tard vendredi, enfin samedi, et Adrien a un mariage, je crois, oui. Donc, est-ce que je réussirai à bien aussi m'endormir toute seule là-dessus? Je ne garantis rien. Enfin, bon, du coup, je pense que la semaine qui va arriver va être encore crevante, mais je vais essayer de faire du coup des petites lectures. Ça va être de la jeunesse, BD, manga, parce que je vais mettre encore, je sais pas quoi attendre, juste pour lire un bouquin, c'est pas la peine. Donc voilà pour les petites news. Je vais vous laisser là parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle et je vous saoule à mon avis. J'y vais. Hein. Hop là, je suis bien arrivée où je devais m'arrêter, donc après Paris, le domaine départemental de Chamarandes. Donc je vais faire la petite balade, normalement elle dure 1 h 30, mais je vais m'arrêter pour manger. Et surtout leur aller aux toilettes. Bon, du coup, j'ai mangé mes 2 sandwichs. Ouais, enfin, plutôt 4 du coup. J'ai pris des sandwichs Sodebo. Voilà. Sauf dans un, j'avais pas vu. C'était la sauce au pesto. J'aime pas le pesto. Mais bon, ça s'est pas trop senti parce qu'il y avait des tomates confites. Mais sinon, du coup, oui, je suis au domaine de la Chamarande. Dans le parc national. Je sais pas le nom, j'ai oublié. Je vous le noterai en bas. Je suis jamais allée. Je suis jamais venue ici. Et en fait, quand j'ai regardé hier, un peu au soir, les routes que je pouvais prendre, tout ça. Je me suis dit, tu vois, ça m'embêterait un petit peu de directement partir de chez moi à 10 h et ensuite d'arriver directement à l'auberge. Parce qu'une fois à l'auberge, est-ce que j'aurais envie de bouger pour, tu vois, aller revisiter et tout ou quoi? Donc je me suis dit, autant t'arrêter sur la route et comme ça voir des petites choses. Donc ici, normalement, il y a plein de trucs à voir. Il y a des petites rivières, il y a la forêt où je suis là actuellement. Là, on a vu le canal des amoureux. Il y a le château du coup que je vous ai montré aussi en vidéo. Donc voilà, je vais faire un petit tour. Normalement, parce que, comme je disais, la boucle fait 1 h 30, mais là il n'y a pas d'indication de boucle ou quoi. Alors est-ce que je suis au bon endroit? Je suis dans le domaine, c'est sûr. Mais est-ce que la boucle que j'ai vue partait d'ici ou pas du tout? Ça, je ne sais pas du tout. Et parce que là, ils n'en parlent pas. Tu as des panneaux qui te montrent la forêt, le marais, nanana. Mais on parle pas du tout de boucle, de choses comme ça. Donc. Je vais voir, là je me dirige vers la forêt et le jardin, on va voir ce que c'est, si c'est des choses un peu entretenues ou pas. Il fait lourd, mais là sous les arbres, ça va, on respire un peu. Mais ce soir, du coup, j'ai jamais été à Chambord, donc je sais pas comment, à quoi ressemblent du tout les jardins. Du coup, j'espère, à Frelon, j'espère juste que il y a des arbres. Oh, des envols d'oiseaux. Donc voilà, je sais pas où je vais, je sais pas où je vais, je suis perdue. Oh, je suis pas perdue, il n'y a qu'un chemin. Je ne sais pas où mène ce chemin. Donc écoutez, je suis fière de moi, j'ai passé Paris. Mon Dieu, Paris. Ça a été, par rapport à ce que je pensais, à ce dont on va dire on a l'habitude quand tu pars en vacances, tout ça, parce qu'on était vendredi, parce que je l'ai passé vers 11 h 30 midi aussi, je pense. Donc il y a moins de gens qui circulent. Mais j'avais les mains moites. Hein. Bon, déjà il faisait chaud, j'avais beau mettre la clim, je voulais pas trop la mettre non plus pour pas abuser au niveau carburant et puis c'est pas bon pour la planète quoi. Mais sinon tu survis pas dans ta voiture. Donc Paris quoi, Paris où tu laisses une distance de sécurité. Eux ils appellent ça un endroit où placer sa voiture apparemment. Non, je dis apparemment mais je le sais depuis bien bien longtemps. Je regarde, il y a des panneaux mais ouvert de 9 h à 20 h. Bon, je serais partie à 20 h, vous en faites pas, normalement je serais à Chambord. Ouais. Bon bah, je vais continuer tout droit, on va voir. Sinon je vais faire demi-tour, c'est pas grave. Ah il va me dire où je suis, il y a une carte. Donc Paris, ouais, étape que je déteste. Du coup, j'ai vu. Je perds peut-être 1 heure de route, on va dire au total. Mais demain, je pense passer par Troyes. J'ai jamais été. Et je voulais y aller quand on est remonté avec Adrien. On s'est arrêté plutôt à Dijon. Et moi, je voulais voir Troyes. Mais Dijon, c'était bien aussi, hein. Donc, je vais le faire demain. Pas beaucoup, juste le temps de manger à midi, faire un petit tour dans la vieille ville, je pense. Et du coup, repartir ensuite jusqu'à la maison. J'ai 2 h 50, du coup 3 h. En essayant de ne pas rentrer trop tard non plus, je pense pas que je pourrais voir Adrien, il commence à 18 h. Mais c'est pas grave, dimanche je ne travaille pas, donc je le verrai, on pourra bien se reposer aussi surtout. Donc voilà, alors je suis où? Ok, ouais, bon, je suis pas partie d'un bon côté. Oh nul. Sur tout le domaine, il a fallu que j'aille là, ou après c'est à cul-de-sac. Non mais vraiment, je suis là. Ok, neuneu. Bon, on va repartir comme ça. Là, c'est le canal des amoureux à mon avis, donc je vais reprendre là et je vais faire ça.
On va essayer de voir. Bon, je pense que ça a duré beaucoup moins qu'une heure et demie. Je pense qu'en automne, ça doit être magnifique avec les toits un peu orange, jaune, tout ça. Ça doit être super beau. Je pense qu'il y a une sorte de jeep. Ah bah, fallait que je parle d'automne. Regardez-moi ça, une maison abandonnée. Ça a son charme. Je crois que je me suis trouvé mon spot de lecture. Avec la petite île là, où les troncs, enfin les c'est des racines d'arbres, vraiment le socle. Je trouve ça rigolo, j'ai jamais vu ça. Et là-bas on a des oies, je pense. On les voit pas. Alors c'est dommage, je ne peux pas aller sur l'île. Je ne sais pas si vous allez voir là-bas, il y a une statue. Je vais me rapprocher. Pourquoi je chuchote ? Bien là-bas, ça veut dire que c'est une femme assise en tailleur. Dommage, j'aurais bien aimé y aller. Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir un bel appareil photo et une bonne caméra là. Il y a plein de jolies choses, mais mes appareils ne sont pas assez performants pour vraiment capter la beauté du truc quoi. Peut-être qu'un jour j'aurai les moyens, on verra. Bon, j'ai fini de faire du coup le tour, c'était pas mal. Si vous voulez voir un petit peu plus de choses, allez sur mon Instagram parce qu'il y a des choses que j'ai prises en photo que je peux forcément montrer en vidéo. Il est quelle heure? Il est 14h30, j'ai 1h30 de route, donc ça fait arriver à 16h à l'hôtel. Ça va, normalement c'est parti de 17h, mais pour 1h je ne pense pas qu'il faut chipoter. Je vais peut-être essayer de trouver aussi une station essence entre deux. Voilà, mais j'ai bien fait, j'ai gardé des serviettes, enfin des serviettes, des couvertures. Du voyage qu'on avait fait à Annecy-Dijon, bah j'ai bien fait parce que là j'ai mis sur le volant, parce que je pense que je me serais cramé les mains. J'ai mis sur mon siège aussi parce que ça tape, je pense qu'il doit faire, je sais pas, j'allume ma voiture mais je pense qu'il fait pas loin de 39 degrés je crois. C'était pas la bonne idée, la bonne journée pour faire ça, même si bon, de toute façon j'avais pas le choix. Mais du coup c'est un bel endroit, je pense pas que ça vaille le coup de faire genre là comme moi j'ai fait 2 heures de route pour venir visiter. Mais si c'est sur votre chemin, si vous voulez vous arrêter pour pique-niquer ou quoi, allez-y, c'est super, il y a plein de bancs partout, vraiment pour se poser. Il y a plein aussi de tables de pique-nique, tout ça. Donc franchement, c'est vraiment fait pour que les gens viennent et se posent tranquillement. Donc voilà, moi je vais reprendre la route. Et je vais essayer de survivre, j'ai hâte d'arriver à l'hôtel et de prendre une douche là, en fait, je vous le cache pas. Je viens d'arriver du coup à l'auberge, il est 16h46. J'ai été ralentie dans mon périple à cause de ceci. En fait, quand je suis rentrée dans ma voiture après avoir été au domaine, après avoir pris, j'ai mon téléphone qui me dit qu'il n'y avait plus trop de batterie, il était à 17%, donc je l'ai mis à charger. Et en fait, d'habitude, quand je le charge et que je roule en même temps, il continue de charger et puis il me donne la route, enfin, il n'y a pas de souci. Sauf que là, en fait, il faisait tellement chaud qu'il n'arrivait pas à charger, il me mettait en surchauffe. Je me suis dit, il faut que. Donc j'ai commencé à avancer. Et en fait, à ce moment où je vois ça, où je vois qu'en fait, t'as l'impression qu'il ne charge plus du tout, tout ça, et ça faisait que de clignoter, clignoter, je me suis dit, oh, comment je vais faire? Du coup je me suis arrêtée sur le bas-côté, j'ai commencé à le charger comme ça sans y toucher, j'ai tout enlevé tout ça. À ce moment-là, Adrien m'appelle. C'est pas grave, j'ai décroché, je lui ai parlé tout ça. Mais j'ai réussi à remonter jusque 23% je crois. Je me suis dit, bon bah écoute, normalement on va y arriver, ça va aller. J'ai mis un peu la clim dessus, quoi, je lui ai refroidi tout ça. Je suis repartie. 20 minutes après, il me refait la même chose. J'étais sur la route. Et sur la route, j'aurais passé 90 ou enfin voilà. Du coup je vois un truc, je sors. Au moment il est censé avoir un Intermarché, il n'y avait rien du tout, enfin en tout cas je n'ai pas trouvé. Et je m'arrête et j'essaie de le refaire charger un petit peu, je le refous vraiment devant la clim tout ça. Puis en fait là je me suis souvenu que ah, c'est vrai que j'ai pas que le GPS sur mon téléphone, je l'ai aussi sur ma voiture. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même attendu un petit peu qu'il refroidisse et après j'ai mis le GPS avec ma voiture parce qu'il est moins précis que celui de Google quand même. Ma voiture elle a 10 ans hein, bientôt. Donc non, elle a 10 ans, elle date de 2012, donc non, elle a 10 ans, elle va sur sa 11e année. Donc bon, vous pensez bien que le GPS, quoi, pas ouf.
Donc je suis repartie comme ça, et puis là, 15 minutes avant d'arriver ici, j'ai remis mon téléphone pour avoir plus de précisions sur le chemin dans la ville, quoi, et pour savoir combien il faut rouler aussi, parce que ça, je me rends compte que du coup, à cause de Google qui te dit à combien tu roules et à combien il faut rouler, je regarde plus tellement les panneaux. Je fais plus gaffe aux panneaux. Donc voilà, c'est encore une autre péripétie, ce qui fait qu'au lieu d'arriver à 16h, je suis arrivée à 16h30. C'est pas grave. J'ai été accueillie par la dame, très gentille, vraiment. Elle m'a même donné une petite bouteille d'eau froide, tout ça. Franchement, elle m'a demandé ce que je prenais le matin au petit déjeuner. C'était plus du café, du thé, nanana. Je lui ai dit que c'était plus du thé. Thé vert, thé noir, bon, un petit peu les deux. Elle fait, bah, ça tombe bien, on a les deux. Bah, c'est super. Donc je suis sur une chambre au rez-de-chaussée. J'espère que ça va pas être trop bruyant, mais je pense que dans le couloir, il y a peut-être que 4 chambres. C'est un bâtiment un petit peu à côté de l'auberge. Et donc, par contre, la porte d'entrée est genre à 5 mètres de ma porte là. Donc j'espère qu'ils vont pas le faire claquer ou quoi. Après, je pense qu'après 1h du mat, il n'y aura pas grand monde. C'est sur les petits déj que j'ai un peu peur. Ça, les petits déj, c'est jusqu'à 9h30. Donc je mettrai mon réveil vers 8h40-50, le temps de me laver un coup ou juste m'habiller. Je vais peut-être plutôt faire ça. Mettre mon réveil à 9h. Je m'habillerai. Je dirai prendre mon petit déjeuner et je me laverai ensuite. C'est peut-être un peu mieux. Et je peux décoller jusqu'à 11h d'ici. Donc on va voir. Mais je pense passer par Troyes du coup. Pour ne pas passer par Paris. Et on verra. On verra ce dont j'ai envie demain, ce que Google me dit demain quand je vais partir, peut-être vers 10h, 10h30. Si je passe par 3, il faudrait que je parte à 10h, ce serait bien, comme ça, à midi, j'y suis. Et je peux manger là-bas et un petit peu visiter. J'aimerais bien faire ça, mais il va faire 37 degrés, donc j'ai un peu peur. Et ensuite, de 3, j'ai 2h50, donc on va dire 3h de route. Mais ça m'évite quand même Paris. Donc c'est la route qu'on a pris quand on est revenu de Dijon. Et c'est une bonne route, franchement, on a eu que un souci, et c'est parce que quoi, il y avait des travaux. Où il y avait, non, il y avait eu un accident. C'est tout ce qu'on avait franchement sur la route, donc c'était bien. C'était vraiment tranquille. Donc je sais pas, j'hésite. Je pense faire ça, mais du coup je sais pas si je verrai Adrien dans ces cas-là, demain. Bon, c'est pas grave, on se voit dimanche, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, ça casse un peu nos habitudes. Bon, je vous fais un petit tour de propriétaire. C'est une auberge, hein, donc c'est un vieux bâtiment de style... Alors moi je trouve ça style alsacien, mais t'en trouves un petit peu partout, t'en trouves en Normandie ou quoi que ce soit, vous savez, c'est... Tu as des poutres et puis le reste c'est un peu truc comme à la chaux, tout ça, voilà, avec un toit en pente, avec des vieilles briques. Bon, c'est une petite chambre. Donc, la porte d'entrée, la magnifique poignée. Super, je le perdrai pas. Moi, je le perdrai pas. Là, du coup, j'ai une petite enfin, j'ai une armoire. Les deux lits, la fenêtre. Oui, elle m'a dit, bah, vous êtes toute seule, vous avez pris des lits jumeaux. Je sais pas, oui, mais enfin, c'était la seule chambre qui restait. Elle me fait, ah bah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Bah, oui, c'est vrai. Bon, je serais bien, à mes connaissances, je vais dormir dans celui près de la fenêtre. Et là, il y a la salle de bain, qui est grande, parce que je pense en fait que du coup, c'est la chambre pour les personnes, à mon avis, à mobilité réduite. Donc, je fais une barre pour les toilettes. C'est moi. Là, j'ai de la place. J'ai une grande douche, avec un petit siège, si je suis fatiguée. Voilà. Donc là, je vais me laver, et je sais pas, j'hésite. Donc, je vais pas venir ici, tu sais. Ça résonne. J'hésite. En fait, je sais pas, est-ce que j'y vais? En fait, il faut que je regarde, je sais même pas c'est qui le premier groupe qui passe. Je me dis peut-être ça m'intéresse pas. Et je crois que Pet Dragon, ça commence à 21h. Donc est-ce que j'y vais pour 21h? Je lui dis que je mangeais pas ici ce soir, j'aurais peut-être pas dû. Je sais pas. Bon, après là-bas, il y a des stands là. Je me dis, est-ce que j'y vais plutôt pour 20h30, tu vois? Ou est-ce que... Parce que ma collègue, elle y va pour... À 18h30, elle démarre. Parce qu'elle dit apparemment c'est une tannée pour aller, nanana. Mais je me dis, premier arrivé, pour sortir de ta voiture, ça doit être aussi super compliqué, non? Donc, bon, moi je suis toujours. J'aime bien arriver pile poil à l'heure dans des événements comme ça, j'aime pas attendre, ça me saoule en fait. Je sais pas quoi faire. Là, je sais pas quoi faire. Je regarderai vers 18h ce que ça donne la route. Est-ce qu'ils disent déjà qu'il y a des bouchons ou pas? Mais du coup, si je veux y aller pour 20h, je pense que je vais partir à 19h d'ici. Ouais, je pense que je vais faire ça à partir de 19h. Je vais me préparer tranquillement. J'ai encore mon petit bouquin, je lirai un petit peu. J'ai aussi la télé, mais je sais pas si je vais l'allumer. Donc voilà, c'est parti. Je vous avoue que je suis un peu... Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. La route, ça m'a fatiguée. Genre, comment ils conduisent aussi, c'est fatigant. Parce que moi, j'ai un régulateur de vitesse. Donc ben, je sais que je fais pas en mode j'accélère, je décélère, j'accélère. Parce qu'il y en a plein qui conduisent comme ça, qui arrivent pas à garder leur vitesse. C'est vraiment un truc qui me saoule. Quand tu prends l'autoroute, la conduite, c'est... Et donc il y en a plein qui étaient en mode comme ça, en mode bah ils roulent pas donc je veux les doubler, je touche pas ma vitesse, moi c'est ma voiture qui contrôle. Et puis quand t'arrives à leur hauteur, non ils accélèrent, ils veulent pas se laisser doubler. Alors est-ce que parce qu'ils voient que je suis une nana toute seule dans la bagnole,
Est-ce qu'ils ont un ego? Non, je dis ça parce que 99% c'était des hommes. Hein, voilà. C'était aussi surtout des Belges. Les Belges n'aiment pas se faire doubler par les femmes, apparemment. Bon, alors, vu la tenue, la plupart c'est des commerciaux. Bon, c'est confirmé, les commerciaux sont pas faits de fuite. Hein. Non, c'est méchant. Mais bon, bah, du coup, la conduite, en fait, ça m'a fatiguée. Genre, j'ai bien aimé quand j'étais au domaine, mais je pense que la chaleur aussi, ça m'a fatiguée. Je me disais, est-ce que je vais pas juste m'allonger un petit peu, essayer de fermer les yeux, mettre un réveil, même si je sais que je m'endormirai pas, mais ça me fera du bien. Parce que j'ai peur, en fait, j'ai extrêmement peur pour la route, pour ce soir, pour le retour. J'ai peur dans le noir, sachant que moi mes feux sont pas incroyables. J'en ai un qui va plus en plus, je crois, depuis quelques temps. Et je l'ai pas changé, j'ai pas vérifié, j'ai pas bidouillé. Donc ça me fait peur la route, vraiment le retour me fait peur. Je pense vraiment à peine ils vont finir que je vais y aller quoi. Parce que pour ne pas rentrer tard et tout ça, parce que sinon ça va être une misère. Surtout si demain je me tape encore 5 heures de route. Ça me fait peur aussi demain, vraiment, ça me fait peur. Donc c'est le vlog de la peur. Non mais bon, bah voilà, mettez-vous à ma... Ah ouais, on entend quand même les portes, hein. Mettez-vous à ma place, c'est toute seule, c'est fatigant, c'est compliqué. Hein. Heureusement que j'ai un régulateur, sinon ce serait bien compliqué. Mais bon, bah voilà, du coup je vais aller me laver. Et puis suite au prochain épisode, hein, les gars. Je suis prête, je crois que ça en fait c'est juste ma chemisette de concert. Parce que là quand je l'ai mise, je me suis dit, j'étais habillée comme ça pour avoir Harry Styles. Je vous montre en entier ma tenue. Bon bah rien d'incroyable, c'est juste un short un peu taille haute. Et puis ma superbe chemisette. Et niveau make-up, j'ai mis les paillettes. Bon, ça fait plutôt irisé. Ça fait un moment que j'avais pas mis ça, c'est un petit liquide. Il est où? Un petit fard à paupières liquide. C'est la marque Lilé. Enfin, c'est coréen, du coup le R se dit L, je suppose. Et donc je me suis dit, à un moment donné, ça a plus de chances de tenir ça que des paillettes. Un truc classique, t'as vu, donc on va voir, mais je pense que ça a quand même coulé. Et sur mes lèvres, j'ai mis du coup le Etude House Dear Darling Tint. J'ai mis léger, j'ai tapoté. C'est ça que j'aime bien, c'est léger ce truc là. Donc, ouais, il va être 19h et je pense m'y aller finalement maintenant parce que j'ai ma collègue qui a réussi à entrer, voilà, elle est garée tout ça, elle a mis une heure. Donc je vais y aller pour être sûre qu'à 21h30 j'y sois, hein. Voilà, c'était moi, bon chance surtout, de pas crever de chaud. Voilà. Oh, j'ai peur pour les toilettes, c'est un truc de malade. Je vais prendre des mouchoirs au cas où s'il n'y a plus de PQ. Question pratique de femme, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Allez, c'est parti! Je viens de prendre mon petit déjeuner, il est 8h45, c'est à cette heure-là que j'avais mis mon réveil, de base. Bah comme vous vous doutez, j'étais réveillée. Alors quand j'étais me coucher, du coup je suis rentrée vers un petit peu avant 1h du matin, je suis rentrée je crois vers minuit 40, un truc dans le genre, ouais. Et la route de retour ça a été, mais en fait il y a des gens qui sont passés, je sais plus à quelle heure, il y a 2h pareil, il y en a qui sont rentrés. Je pense que c'est des jours peut-être qui étaient aussi au festival. Et genre à 6h, je t'ai réveillée par une chasse d'eau. Enfin. Donc à ce moment-là seulement, j'ai mis mes boules qui est, mais j'ai pas réussi à m'endormir. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je suis réveillée, je me suis levée vers 7h30, je me suis lavée, puis j'ai été prendre mon petit déjeuner. Sinon, une tannée hein, hier pour y aller, vraiment. J'ai mis 53 minutes pour arriver à la zone de bouchon avant Chambord. Au bout d'un moment. On avançait presque pas, c'était une galère. Je me suis dit, mais en fait, j'aurai jamais de place de parking, ou même si j'en ai une, elle va être je sais pas trop où, et ça va être impossible de retrouver une bagnole, et pour sortir du parking aussi, je sais pas combien de temps je vais mettre. Du coup, fausse bonne idée, je me suis garée, comme la plupart des gens, en fait, sur le côté de la voie pour aller sur Chambord. Et d'abord, en endroit où tu pouvais te garer, puisque après, t'avais un panneau, tu pouvais plus. Sauf que moi, quand j'étais dans ma voiture, il y a un gars qui passait à pied qui a dit « Non mais t'inquiète », il disait à quelqu'un d'autre « Non mais t'inquiète, tu vois là, on voit la porte, nanana, on n'en a pas pour longtemps, on est bientôt arrivé. » Moi je me suis dit « C'est tout, tu vois, je fais demi-tour, bim, je me garde dans le bon sens comme pour partir. Et on va marcher, on va faire comme ces gens, on va marcher. » 25 minutes de marche.
Au début, j'ai regardé sur Google parce que je me suis dit, bah, j'ai l'impression que c'est sans fin. Et en fait, oui, Google me disait 20 minutes. Donc j'ai mis 25 minutes. Alors pour le retour, je vous dis pas, dans le noir complet, total, vraiment aucune lumière, rien du tout. Il n'y avait que les feux phares des voitures et puis nous, nos flashs de téléphone parce qu'on bah, était beaucoup à cette garée là comme ça, quoi, parce que sinon c'était galère. Et du coup, j'ai mis une quarantaine de minutes pour rentrer. Du coup, le concert, c'était très bien, vraiment. Bête de scène, hein, Imagine Dragons, c'est un truc de malade. J'ai dit, franchement, s'ils repassent en France, je vais les voir. Bon, même si à chaque fois, je le dis, mais souvent, en fait, je loupe la date. Ou alors, quand je... Comme là, je peux... J'ai pas réussi à avoir des billets, mais j'en ai quand même eu un par chance. Mais ce qu'il y a, c'est que comme c'est un festival, il y a énormément de monde, et c'est tout le monde en fosse, tu vois. C'est pas en mode, t'as 30 000 personnes, mais t'en as qui sont sur les gratins et la moitié en fosse, tu vois. Ou même moins de la moitié en fosse. Là, vraiment... Ah bah, j'étais tout en beau. Tout en beau. En fait, au début, on te monte sur un podium, t'avances un peu, je me suis arrêtée là. Normalement, après, tu redescends un petit peu et tu as vraiment la fosse. J'étais là, et forcément, on devrait interdire d'être debout comme ça aux personnes. Mais souvent, c'est des hommes de plus d'un mètre 75, hein, parce que t'es là. Là, j'ai mal à la tête, je me suis dévissée le cou toute la soirée. Devant moi aussi, t'avais une fille avec son copain, elle en pouvait plus, tu voyais, elle était là, mais ils mettent tout le temps leur tête quand je peux voir. Mais pareil, en fait, dès que tu dis, oh, putain, là, c'est bon, je vois la scène, je le vois que ça, mais je le vois quand même. Puis, vous savez, il y avait des écrans qui étaient bien placés. Mais forcément, il y avait des arbres aussi. Il y avait des arbres, donc bon, c'était une galère. Et en fait, dès que tu pouvais, t'avais accès, bim, il y a quelqu'un qui rebougeait sa tête. Mais le pire, c'est que c'est des gens en plus qui sont. Ils vivent même pas le concert, tu sens. Ils chantent pas, ils bougent pas, même pas un pied en rythme. Vraiment, ils sont là, statiques. Mais en fait, pourquoi tu fais un concert? C'est pour faire ça, juste pour faire chier ton monde, tu vois. Bah, mets-toi bien sur les côtés, en fait, si tu veux pas profiter du truc. En plus, où ils étaient placés ces jours-là, ils étaient bien parce que c'était juste avant la descente des escaliers, donc t'avais vraiment une bonne vue sur la scène, quoi. Et impossible de se faufiler. En plus, devant moi, au début, j'ai eu un groupe d'amis, là. Ils étaient juste venus pour se bourrer la gueule, on aurait dit. Au bout d'un moment, au bout de trois chansons, ils écoutaient même pas, ils faisaient que de rigoler, tout ça. Et moi, j'étais en mode, putain, mais laisse-moi profiter de mon concert, bande de cons. Je n'en pouvais plus. Alors moi, je me suis dit, s'ils restent là, alors soit il faut que je me casse ailleurs, soit je me casse, en fait, j'en peux plus. Et puis, au bout de trois chansons, deux ou trois chansons, ils se sont barrés parce qu'ils avaient boire du champagne. Bah oui, écoute, tu as un festival, tu payes ta place 80 euros. À voir Imagine Dragons, que c'est toujours une tannée pour les voir et qu'ils viennent pas souvent en France quand même. Bah, tu vas boire du champagne à la place. Bah ouais. T'as envie de champagne, bah c'est normal, oui. Donc ils sont partis, soulagement. Je dis, ah ouais, on a tous un peu avancé du coup, parce qu'ils étaient à 5, mais ils te prenaient au moins 6 mètres d'envergure, tu vois. Ils étaient vraiment, ils bougeaient. Là, tu peux pas, mais ils dansaient pas, non, ils bougeaient en faisant des gros gestes, c'est tout. Ils se prenaient en photo aussi, toi t'es là. Puis ils sont à 2 cm de toi, rentrent à se prendre en photo. C'est super, c'est super. Comme d'hab, j'étais la seule, hein, la seule presque, enfin je pense de ce que j'ai vu, la seule toute seule à un concert. Donc après ça c'était bon, j'ai pu bien profiter, sauf que après il y a deux filles qui sont venues derrière moi et il y en a une à la fin. Genre pour Demons et pour, je sais plus trop quelle chanson, pour Shark je crois. Elle chantait tellement faux mais tellement fort en plus. Je crois que je l'ai sur une de mes vidéos. On l'entend derrière, mais du coup à un moment il y a des chansons que j'aimais bien, que je voulais filmer. Je lui dis, ça sert à rien, elle massacre juste derrière mon oreille, quoi. Donc je vais la voir sur le téléphone et lui, on va pas l'entendre chanter. Mais à part tous ces petits désagréments que tu as malheureusement souvent dans des grands concerts ou des choses comme ça, des festivals, c'est pour ça que je vous dis toujours que je préfère les petites salles de concert. Mais imagine Dragons en concert en petite salle, c'est impossible, ça n'existe plus. Sinon, c'était juste. Ouais. J'ai eu un message, pardon. C'était juste incroyable. C'est un showman, c'est même les musiciens à côté, enfin vraiment tout est, c'est vraiment vraiment top. Donc franchement j'espère que je pourrai y revoir un concert, même s'il passe au Stade de France. J'ai dit plus de Stade de France, je pense là tu, franchement ça vaut tellement le coup que là tu claques ta thune pour un carré or. Soit c'est carré or, soit c'est une très bonne place assise, mais oui, sans hésiter je refais et je claque ma thune. Vraiment vraiment incroyable. Donc voilà, c'était quand même une bonne petite expérience. Du coup, ouais, je suis arrivée vers 20h. Je me suis garée vers 20h, je crois. Et ouais, du coup, vers 20h30, je suis arrivée vraiment sur le lieu du festival. C'était plutôt bien fait. C'était, il n'y avait pas trop, tu vois, comme les gens étaient plutôt déjà arrivés. C'est arrivé au compte-gouttes. Tu veux pas trop la queue, tout ça. Du coup, j'étais directement chercher à manger. J'ai pris un pad thaï végétarien.
Et en mangeant debout, j'ai été chercher une boisson parce qu'ils font pas au même stand. Et après, du coup, après avoir fini tout ça, je suis partie directement. Mais tout le monde était déjà installé en fait. Dès la première partie, les gens ici étaient mis, je pense. Enfin, la première partie. Puisque ça commençait à 17h, il y a eu trois groupes. Donc dès le troisième groupe, j'aurais aimé les voir en plus parce que quand je suis arrivée, j'ai écouté les chansons, j'ai dit, je connais, j'aime bien ça, putain, je les loupe. Et forcément, je suis arrivée, ils ont fini. Mais c'était bien, c'était top. Du coup, là, j'hésite vraiment parce que je suis claquée de chez claquée. J'avais dit que je voulais aller à Troyes. J'ai envie de visiter cette ville, mais j'ai pas envie de la visiter en express non plus. Parce que si j'y vais, là, franchement, je pense que je la visite en express. Malheureusement, j'ai pas envie. Donc je crois que je vais rentrer directement dans le nord. Je viens de voir, là, j'ai 3h19 de route. Bon, on va quand même passer par Paris, donc d'ici, j'ai quoi, je suis à 1h de Paris, 1h30 de Paris, il sera 10h, bon, on sera quand même dans les bouchons, hein. Mais je crois que je vais faire directement ça, parce que sinon j'ai 5h de route, et pour avoir dormi peut-être 4h cette nuit, et j'ai mal aux jambes et tout ça, donc je pense que c'est pas la peine, je préfère faire ça dans de meilleures conditions. Donc je vais rentrer chez moi, et je vais faire une sieste après-midi, en espérant que j'y arrive, mais oh ouais, je suis claquée, j'ai claqué. Donc bon, je vous reprendrai quand je serai arrivée à la maison. Je crois que j'ai passé au Carrefour Market, là, vu qu'il y en avait un quand j'ai pris mon essence à la sortie de la ville, je vais m'acheter un Monster. J'en bois pas depuis que j'ai quitté le lycée, mais là, je crois que j'ai besoin d'un remontant chimique. Vraiment. Je suis donc rentrée chez moi, bien arrivée à la maison, avec un petit ralentissement sur Paris, comme d'habitude, mais j'ai perdu peut-être aller 20 minutes, donc franchement, ça a été. C'était un peu mieux qu'à l'aller. Et par contre, hein, j'avais pas souvenir quand. Juste en une soirée, toi, j'ai oublié que sous les toits, il faisait super chaud. C'est-à-dire que là, actuellement, il fait presque 31 dans l'appartement. On a un petit thermomètre là. Et on n'arrive pas à rafraîchir. On n'ose pas ouvrir parce que c'est encore pire en fait. Dehors, il fait plus de 35, je crois. Enfin, en tout cas, dans ma voiture tout à l'heure, il faisait au moins 35. Donc j'ai l'impression qu'il fait encore plus chaud que ça. Et on est en train de totalement clamser de chaud. Et j'ai peur, c'est pour les rats, parce que là, elles sont vraiment en PLS, je vois, elles sont en mode éclatées comme ça, en train d'essayer de prendre de la fraîcheur, mais on n'y arrive pas à rafraîchir. Pourtant, on a une sorte de, comment dire, de ventilateur, tu sais, mais dedans, c'est une tour, et dedans, tu peux mettre de l'eau, et dedans, tu peux mettre aussi des pains de glace pour que l'eau soit fraîche, et que ça rafraîchisse le truc, et que ça te mette de l'air frais. Bon, ça fonctionne, on va dire, 20 minutes, et après, l'air devient chaud et moite, c'est pas comme une clim quoi, ça te rafraîchit pas vraiment ton air quoi, juste ça te met un peu d'air frais, mais c'est pas ouf. Et le souci c'est que moi déjà je suis malade, donc hier pour chanter c'était pas pratique, j'ai dû chanter faux, enfin bon, ouais, j'ai mal à la gorge, je pense que c'est la clim. En même temps j'ai ma collègue qui est malade, mais elle c'est plus un rhume, mais là moi juste tu vois vraiment c'est ma gorge. Tout à l'heure j'ai regardé, je suis rouge, mais rouge presque comme ça quoi là, donc je pense que c'est la clim. Alors ça date pas d'hier, c'est depuis jeudi déjà j'ai commencé à avoir mal, mais c'est surtout vendredi matin, donc bon, mais dans la voiture j'étais obligée, donc voilà, donc j'essaye de me soigner. Là j'ai pris je me suis fait un thé rooibos, normalement c'est anti-inflammatoire le rooibos. Je me suis aussi massé la gorge, j'ai vu ça, j'ai été regardé sur internet, vous pouvez faire avec de l'huile essentielle avec un fond d'huile végétale, donc moi c'est l'huile de jojoba. Tu mets un petit peu de gouttes de Ravitsara et tu peux te masser comme ça à l'extérieur. Ça fait du bien, il faut faire ça deux fois par jour. Donc je refais ça ce soir. J'ai aussi pris une goutte d'huile essentielle de titri sur une cuillère à soupe de miel, une cuillère à café de miel. Et j'ai laissé un peu fondre dans ma bouche. Il bon, faut faire ça plus longtemps, quoi, au moins 5 jours, peut-être que ça agisse tout ça. Donc bon, là je crois que je vais souffrir pendant un bon petit moment. C'est compliqué d'avoir mal à la gorge quand il fait 35 degrés, vraiment. Donc voilà pour mes Juliettes ce plat. Ouh, ce siège il est... Ouh. Et sinon, je viens du coup de finir le petit bouquin que je lisais. Je l'ai lu aussi à l'hôtel quand je suis rentrée du concert hier, après m'être lavée. J'ai eu envie de lire un petit peu, juste avant de me coucher, donc j'ai lu un chapitre. Donc c'était Enfin l'été de Carly George, donc c'est le tome 4 de Hotel Earthwood. Et vu les, il était un peu flippant et triste hein, celui-là. Il y a toujours un petit événement comme ça qui se passe dans chaque tome. C'est un peu doudou, tu vois, mais il y a toujours quelque chose qui te fait un peu flipper pour les habitants... de l'hôtel Earthwood, tout ça, et même pour Mona du coup qui est notre personnage principal, la petite souris orpheline, mais oui t'as toujours ce truc, il dit mais pourquoi il arrive ça, tout ça quoi, est-ce que tout peut pas être juste joli et mignon comme dans Minuscule.
Mais en même temps, du coup, ça te fait aussi une bonne péripétie. Mais pour de la jeunesse, je trouve que là, en tout cas, ce qui se passe dedans, en fait, c'est qu'il y a un feu de forêt. On est en plein été, il y a un feu de forêt. Donc, c'est un petit peu flippant pour tout le monde. Et ce feu de forêt, il se rapproche de l'hôtel Hurtwood. Alors, que faire? Les choses vont se mettre en place, tout ça, tout ça. Mais du coup, j'ai un peu flippé pour tout le monde. Moi, écoutez, je suis un cœur sensible. Donc, en fait, j'ai passé un super bon moment. J'adore cette série, vraiment. Je suis triste que du coup, il n'y ait que 4 tomes, puisque il y a 4 saisons, ils ont fait 1 tome par saison. Mais franchement, si vous ne l'avez pas encore lu et que vous aimez les choses un peu mignonnes, les animaux, la nature, allez-y, franchement. C'est une trop trop bonne série. Et en plus, il y a des illustrations. Et le papier, j'aime bien, c'est un papier épais, tout ça. Enfin, c'est du hardback. C'est franchement, c'est de la qualité, alors qu'il coûte 12,90€. Je trouve que vraiment, on se fout pas de notre tronche, Casterman. Je trouve que ça va, voilà, pour le prix, franchement, c'est un bel objet. Donc je suis contente, et je vais les garder, parce que tu sais qu'en ce moment, je suis en train un peu de me dire débarrasser de certains bouquins. Mais ceux-là, je les garde, parce que je les aime trop, vraiment. Et sur la route, alors j'avais déjà commencé cette semaine, j'ai écouté, je vais en boire un coup, j'ai mal à la gorge, je vais pas réussir à finir de parler. Ah, j'ai demandé qu'il commence à se boucher, super. Je vais être malade à 2 semaines d'avoir fini, je peux pas pouvoir prendre un arrêt. Du coup, oui, le premier tome de Prince Cruel. De la saga Le Peuple de l'Air. J'en suis à 42%. Je savais pas, j'ai découvert ça dans un des derniers vlogs, on va dire, de Pikiti. Elle disait que c'était sur Audible ou peut-être ouais, sur Nextory aussi. Elle écoutait ses bouquins en 1,5 je crois. Moi j'ai essayé, alors ça va, c'est assez compréhensible, mais il faut pas perdre une miette. Du coup moi j'écoute plutôt en 1,25. Alors je sais pas si ça te fait gagner du temps d'écoute ou pas, parce que Nextory c'est des heures que tu as. Donc tu as 15 heures d'écoute par mois. Et je sais que Audible par contre c'est un forfait avec des sortes de points, un truc comme ça. Donc je sais pas comment ça se passe. Donc là je suis à 42%, à un moment j'ai failli arrêter parce que je trouvais qu'on était trop dans les clichés de la young fantasy, on va dire, en mode c'est la meuf, donc c'est Jude qu'on suit, qui est donc humaine, qui se retrouve avec ses sœurs, pour dire propulsée après une grosse, comment dire, mésaventure, mettons des guillemets. Ah, il y a une merde dans leur vie qui est arrivée, hein. Cette merde a un nom, mais bon bah voilà. Ils sont donc au royaume... j'ai oublié le nom de la ville, enfin du truc. Ah c'est ça, quand tu lis pas, t'as pas le... Là j'ai aucun souvenir. Dans un endroit où il y a des faées. Et elle, tu penses bien, là, c'est des humaines. Et c'est un peu compliqué pour elle, hein, voilà. Et nous avons le prince Cardan, qui est un... beau salaud, hein, voilà. Mais du coup, ce truc-là, en mode, elle a envie de lui puncher la tronche et de le remettre à sa place, tu vois. Elle n'ose pas parce que c'est quand même un prince, hein, le gars, même s'ils vont en cours ensemble ou quoi que ce soit. En gros, lui, il y a une bande et ils s'en prennent tout le temps, elle et sa sœur jumelle. Au bout d'un moment, elle en a un petit peu gros sur la rico, Jude. Et du coup, je me suis dit, putain, ça fait encore... C'est souvent ça le rôle du « ah, tu vois, elle l'aime pas, puis lui non plus il l'aime pas, nana, puis après tu vois ça peut-être finir ensemble, donc ça va sûrement être ça, mais j'espère pas, vraiment j'espère plus. » Et donc au bout d'un moment je me dis « ah, putain, c'est un peu schéma qu'on a déjà vu 35 fois, quoi, tu vois. » Et finalement, là, Jude commence vraiment à se rebeller, et j'aime bien, du coup. C'est à partir du chapitre 12-13 que je me suis dit « non, allez, on n'arrête pas, là j'aime bien. » Et tout à l'heure, vraiment, quand je suis arrivée à la maison... J'étais un peu triste de devoir couper. Donc franchement, là, j'aime bien ce qui se passe. Ça me plaît. Ça me plaît dans quoi ça va partir, ce qui se passe avec Jude, tout ça, ce qu'elle doit faire, ses missions, tout ça. J'aime bien. Donc, j'ai bon espoir. Et je vais continuer ça tranquillement. Je sais pas si... Aujourd'hui, je pense pas faire de crochet ou trucs comme ça. Donc je pense pas continuer à écouter. Peut-être que demain, j'en ferai. Là, je vous avoue que mon programme, c'est monter la vidéo pour demain et faire une sieste. Je sais pas si je vais réussir à faire une sieste parce qu'il fait très très chaud, donc je vais peut-être galérer. Mais il faut que je ferme les yeux parce que ça va être compliqué sinon pour demain et surtout pour lundi on a l'audit. Et donc je commence à 6h du matin. Donc voilà. Ça va être compliqué. C'est pas grave, mais du coup, pour le moment j'aime bien. On va voir si je vais totalement comprendre la hype qu'il y a autour de cette série. Mais c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. L'écriture, je trouve, plutôt bonne. L'univers,
Je peux pas dire qu'il soit extrêmement bien construit parce qu'on n'a pas tout un truc non plus autour, mais il y a ce qu'il faut où il faut, je trouve. Voilà, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais ça fait un moment que j'avais pas lu comme ça un peu de fantasy de ce type-là. Fantasy, c'est plutôt fantastique puisqu'on part du monde humain pour aller vers un monde un peu plus féerique. Mais ça fait du bien un peu de retourner là-dedans. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu finalement. C'était un vlog où il devait pas se passer grand chose, je vous l'avoue. J'avais même, en début de semaine, m'étais demandé est-ce que j'allais publier ce vlog parce que je savais qu'il allait rien se passer. Et finalement, vous voyez, il y a toujours des choses inattendues qui se passent dans la vie, comme faire un concert et le savoir 2 jours avant. C'est pas super ça? J'espère que je vous ai pas trop saoulé du coup avec ce concert et avec cette petite aventure. On a vu quand même des jolies choses. En tout cas, j'ai passé 2 bonnes journées. Enfin, même si aujourd'hui c'était de la route quoi. Mais hier en tout cas, était une très très bonne journée. 5 degrés en moins, ça aurait été super. On peut pas demander ça malheureusement à cause du réchauffement climatique et des énergies fossiles et tout ça, c'est la merde quoi. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. J'ai vu que la semaine prochaine il fait encore trop chaud. Donc je pense pas encore sortir une pâle d'automne. On verra. Donc je vous fais des gros bisous, encore une fois des gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis quand même à dimanche prochain.